Le thème de mon message ce matin, de mon exhortation, c'est « Manifeste ton règne par la prière ». Dis à ton voisin « Manifeste ton règne par la prière ». Si tu n'as pas répondu, tu n'as pas parlé, dis-lui, mon frère, on dit de dire, de manifester notre règne par la prière. C'est ça. Parce que souvent, il y a des gens qui font comme s'ils n'entendent pas, parce qu'ils ne veulent pas dire au voisin. J'espère que ce n'est pas le cas ici, n'est-ce pas? Ton voisin, il collabore. Ça marche. Gloire à Dieu. C'est ça. On va manifester le règne de Dieu par la prière. Vous savez, le révérend dit depuis un certain moment, et je le crois, la vie est spirituelle. Oui, il dit à ton voisin, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Au-delà de tout ce qu'on peut avoir, les biens matériels, les voyages, je ne sais pas, tout ce qu'il peut y avoir comme bien-être, comme épanouissement, la vie est d'abord et surtout et premièrement et en tout cas et globalement spirituelle. Matthieu 6, verset 10, merci pour cet amen, vraiment. Au-delà de tout ce qu'il peut y avoir, la vie est spirituelle et nous devons tendre à être davantage spirituels, de plus en plus spirituels. C'est Jésus qui dit ici, quand ses disciples sont venus lui demander de leur apprendre à prier, il a dit que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'on peut aller au verset 9, s'il vous plaît? Voilà. Vous autres, priez donc simplement ici, notre Père qui est dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, d'accord? Et que ta volonté soit faite. Allons-y, maintenant au verset 10, ça va être plus explicite. « Que ton règne donc s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. » Dans la version 8 secondes, on dit « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. » Amen. Nous voyons donc ici que nous prions pour emmener à manifestation le règne et la volonté de Dieu, puisqu'on nous dit de dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut dire que c'est par la prière, c'est par le moyen de la prière que nous devons amener à manifestation le règne de Dieu sur la terre. Puisque c'est par la prière, c'est dans la prière qu'on demande que le règne soit manifeste, qu'on demande que la volonté de Dieu soit faite. Donc absolument, la prière est le moyen par excellence pour que nous puissions amener à manifestation le règne de Dieu sur la terre et la volonté de Dieu sur la terre. Le mot règne, c'est quoi? Règne, c'est le pouvoir absolu exercé par quelqu'un ou par quelque chose. Donc quand on appelle le règne de Dieu, quand on appelle la manifestation le règne de Dieu, ça veut dire que nous sommes d'accord que nous voulons voir que le pouvoir absolu de Dieu être manifeste. Quoi que nous sommes enseignés ici, que nous savons que Dieu travaille avec deux pouvoirs, le pouvoir absolu de sa souveraineté et le pouvoir ordonné, c'est-à-dire les choses qui se font dans un certain ordre seront des cycles et des principes qu'il a déjà mis en marche et qui ont des résultats effectifs dès qu'ils sont mis en application. Donc quand nous demandons que le règne de Dieu soit manifeste, c'est que nous voulons rien d'autre que ce que Dieu lui-même a arrêté. Nous imposons à nos vies et à tout ce qui nous concerne que seule la volonté de Dieu se fasse. La volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire, c'est ce que Dieu attend de faire, c'est ce que Dieu pense faire, c'est ce que Dieu désire faire, c'est ça sa volonté. Et son règne, c'est son pouvoir. Je ne veux pas moi que Seigneur les choses se fassent selon moi, mais que ton pouvoir soit manifeste. Quand on dit que ton règne vienne, c'est que ton pouvoir soit manifeste. Que toi, tu fasses tout ce que tu dois faire et ce que tu as à faire en ce qui concerne ma vie, au travers de ma vie, pour que je puisse être un instrument pour tous ceux qui m'entourent. C'est ça. C'est pour ça que chaque fois que nous prions, nous devons aller dans le sens justement de sa volonté. Aller dans le sens de son pouvoir qui doit être manifeste. On ne veut pas le pouvoir forcément de nos gouvernants, c'est vrai, c'est lui qui les a établis, c'est vrai. Mais c'est pour ça que même pour eux, on prie afin qu'eux, ils puissent être à la quête du pouvoir absolu de Dieu. Et que dans la manifestation de tout ce qui nous entoure, ce soit Dieu qu'on voit, sa main qu'on voit en action en fait. C'est ça le règne de Dieu. Et chacun d'entre nous, justement, par la prière, nous imposons donc ce règne. Nous emmenons Dieu à travailler sur la terre. Nous collaborons avec Dieu pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire sur la terre. Alors donc, au travers de la prière, nous travaillons et nous collaborons avec Dieu. La Bible dit quoi? Dans Matthieu 18, verset 20. 18 à 20, pardon. Il dit... Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. Vous vous rendez compte? Il dit vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis, ça veut dire que toutes les cartes sont entre nos mains. Est-ce qu'on veut collaborer? Est-ce qu'on veut emmener le règne de Dieu, son pouvoir être manifeste ou pas? Si on laisse tomber, on va subir les choses. Et puis, c'est pas, après, il ne faut pas qu'on se plaigne pour dire, oui, Satan a pris le contrôle, Satan est en train de travailler. C'est que nous-mêmes, on a permis à Satan de travailler. On continue.
Et j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas pour demander quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera comment ? Accordé par mon Père Céleste. Si deux d'entre vous se mettent d'accord et demandent quelque chose, quoi que soit la chose, cela leur sera accordé. Au verset 20, partout en effet où deux ou trois sont ensemble, unis en mon nom, parce qu'on peut être ensemble sans être unis dans le nom du Seigneur, sont ensemble et unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Je pense qu'ici, il y a au moins 3, 10, 15, 20, je ne sais pas, 50, 60, combien de personnes qui sont ici assemblées, mais unies dans le nom du Seigneur. Parce qu'on peut être même 200 et il y a seulement 3 ou 4 ou 10 qui sont unis dans le nom du Seigneur. Mais il dit, s'il y a cet accord-là, Dieu va intervenir. Mais attends, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Ça veut dire que tout est dans nos mains, en fait. Parce que c'est pour ça que Jésus a dit tout est accompli. Quand Jésus partait, qu'il a dit tout est accompli, c'est parce que justement il sait qu'on a donné le pouvoir. Dieu a délégué son pouvoir à l'homme pour que nous puissions collaborer avec lui pour amener à manifestation ses plans. Donc la prière, c'est incontournable. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que celui qui ne prie pas, comme le révérend le dit, ne prie pas, ne règne pas. Si tu ne pries pas, toi-même regarde. Chaque fois que tu n'as pas prié, les choses qui sont arrivées dans ta vie que toi-même tu n'as même pas imaginées. Les travers que les choses ont commencé à prendre dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu, par tes prières, imposer le règne de Dieu, imposer le pouvoir de Dieu, imposer la suprématie de Dieu sur ta vie et sur ta destinée. Dis à ton voisin, celui qui ne prie pas ne règne pas. C'est bien de lire la parole, c'est bien de méditer la parole, mais c'est bien aussi de prier. Oui, on doit prier. Et si on prie, les choses bougent. Et quand on prie, vous avez vu? Vous allez voir les résultats, la chaîne de prière qui marche depuis un certain moment, vous allez voir les résultats. Parce que chaque fois qu'on appuie sur le levier de la prière, les choses bougent, les choses avancent. C'est trop beau. Moi, je trouve ça magnifique de prier pour quelque chose et puis dans les jours qui suivent, tu vois la manifestation. Tu es encouragé, tu te dis, parfois je prie, j'appelle même des noms, des personnes. Je dis, oui, telle personne qu'on ne voit pas depuis un certain moment, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais je te... Et puis tu arrives au culte, bam, voilà la personne qui passe aux offrandes. Tu dis non, ça marche quoi. Et tu es encouragé. C'est comme ça. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Celui qui ne prie pas ne règne pas. Si tu veux régner, c'est tellement beau ce mot-là. Ah, je règne par Jésus-Christ lui seul. Oui. Mais si tu ne pries pas, ça ne va pas se manifester. C'est la prière qui va nous emmener le règne de Dieu. Parce qu'on va permettre, on va défendre, on va autoriser, on va bloquer. Voilà. Et ça te donne de l'autorité, tu grandis dans ton autorité parce que tu sais en qui tu as cru et tu sais les pouvoirs que Dieu t'a délégués. C'est exceptionnel. Donc ainsi le pouvoir de Dieu est manifeste sur terre au travers de la prière. Nous autorisons donc Dieu à faire ce qu'il veut faire. C'est pour ça que celui qui ne prie pas ne règne pas, n'est-ce pas? Mais en même temps celui qui ne prie pas, je dirais à contrario, subit la vie malheureusement. Celui qui ne prie pas subit la vie. Dis à ton voisin, celui qui ne prie pas, il subit la vie. Et quand il subit la vie, il ne faut pas qu'il se plaigne. Il ne faut pas qu'il dise, non Seigneur, tu m'as abandonné. Non, toi-même tu t'es abandonné. Toi-même tu as abandonné ta destinée, tu as abandonné tes responsabilités. Parce que tout est entre tes mains. Amen. Ainsi la prière efficace forcément est la prière de foi. Parce que tu ne peux pas venir te tenir aussi pour autoriser, pour défendre, pour arrêter les choses. Si tu n'as pas toi-même la foi, si tu ne sais pas sur quoi tu bases ta prière. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça appelle la connaissance justement. L'efficacité dans la prière appelle la foi. Et la foi vient justement de la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous donne de l'assurance. L'assurance d'aller dans la présence de ce Père, sachant que tout ce que nous allons lui demander au nom de sa parole, au nom de ce qu'il a dit, sur la base de sa parole, nous le verrons s'accomplir. Et c'est ce que Dieu veut. Des enfants de Dieu qui ont l'autorité, qui la manifestent et qui règnent dans la vie. Jésus a dit, vous régnerez dans la vie. Vous régnerez dans la vie, pas à l'église. Nous régnerons dans la vie, qu'on n'ait pas peur de sortir. Quand tu finis ton culte, tu sors, tu dis, ah ok, c'est cette situation-là qui voulait me déstabiliser. Mais là maintenant, je suis équipé, j'ai entendu la parole de Dieu, c'est fini là. Décret, c'est fini, ça s'arrête là. Et tu arrêtes les choses. Nous régnerons où? Dans la vie. Par qui? Jésus-Christ lui seul. Il a tout accompli, maintenant il te dit, la balle est dans ton camp. Luc 11, verset 1. Jésus est notre modèle de prière. Donc la première des choses, c'est que la prière est incontournable. Incontournable, ça doit être un style de vie pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit développer la prière comme un style de vie. Tu es dans ta voiture, partout où tu es, tu te sens la montée de prière, tu pries. Ne cherche pas que, ah je suis là, je m'ennuie, prie. Parce que quand on s'ennuie, c'est là qu'on s'en va faire des choses compliquées. C'est là que tu vas tomber, aller sur internet, commencer à faire...
Les selfies à tout va, les photos partout, n'importe quoi qui ne t'apporte rien. Alors que tu peux prendre ce temps-là pour décréter les choses, établir, mettre de l'ordre dans la vie de ta famille, dans la vie de ta communauté, dans la vie de tous ceux qui t'entourent. Amen. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Quand quelqu'un est quand une femme ou un homme est un homme de prière, une femme de prière, ça se voit. Ça se voit par sa consistance, ça se voit parce que cette personne n'est pas dans la démesure. La personne n'est pas dans les choses, les légèretés de tous les jours, non. La personne est consistante parce qu'elle sait que dans la prière, elle reçoit des instructions et elle doit absolument emmener les choses de Dieu à se manifester comme Dieu a dit. Amen. Jésus, c'était notre modèle, n'est-ce pas? Et Jésus priait tout le temps. Tout le temps, tout son ministère était basé sur la prière. Et ça a marché ou ça n'a pas marché? Ça a marché. Parce qu'il était un homme de prière. Et comme c'est notre modèle, on doit suivre justement ce modèle. La Bible dit dans Luc 11, verset 1. Luc 11, verset 1. Un jour, Jésus s'étant retiré pour prier, quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, « Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Je pense qu'ici, ce disciple a été sage. Il a vu la productivité, l'efficacité du ministère de Jésus. Il le voyait prier, le sérieux qu'il mettait dans sa manière de travailler, dans son ministère. Il a dit, Seigneur, franchement, apprends-nous aussi à prier. Parce que je me rends compte que chaque fois tu te retires comme ça, tu pries. Et quand tu sors de tes temps de prière, là, c'est dangereux ce qu'on voit là. Donc apprends-nous à prier aussi pour qu'on soit efficace, qu'on soit productif. Et Jésus veut nous apprendre par le Saint-Esprit à prier. C'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Pour que lui puisse nous aider même à intercéder quand on se sent faible, quand on ne sait pas comment prier, qu'on puisse basculer par la prière, par l'Esprit. C'est ça, pour que nous soyons productifs et efficaces. Sûrement, il avait vu l'efficacité du maître et il a dit, Seigneur, donne-nous cette clé-là. Apprends-nous aussi pour qu'on puisse voir manifeste véritablement tes desseins dans nos vies. Et Jésus a gardé cette habitude-là jusqu'à la croix, jusqu'à la croix. À Gethsémané, Matthieu 26, versets 36 à 45. C'est un peu long, mais c'est utile. Là-dessus, Jésus parvint avec eux dans un domaine appelé Gethsémané. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que j'irai prier là-bas. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Pierre était dedans. Il fut bientôt envahi d'une profonde tristesse, l'angoisse le saisit. Il dit alors à ses compagnons, mon âme est accablée de tristesse, d'une tristesse mortelle. Restez ici et veillez avec moi. Puis il s'éloigna de quelques pas, se jeta la face contre terre et pria, ô mon Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe de souffrance. Toutefois, que les choses se passent non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. C'est ça que je dis. Quelqu'un qui a l'habitude de prier va toujours demander la volonté de Dieu. Parce que la prière t'oblige à aller chercher la volonté de Dieu. Puis il s'éloigna de quelques pas. C'est déjà passé. Ensuite, il retourna auprès de ses disciples et les trouva en train de dormir. Ça, c'est la première fois. Il dit à Pierre, quoi? Aucun de vous n'a été capable de veiller une seule heure avec moi? Veillez et priez pour que vous ne cédiez pas à la tentation. Certes, l'esprit est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible et le corps a ses défaillances. Puis il s'éloigna de nouveau pour la seconde fois et reprit sa prière en disant, « Mon Père, s'il est possible que cette épreuve douloureuse me soit épargnée, que ta volonté donc soit faite. » Il revint de nouveau vers ses disciples et les trouva encore endormis. Deuxième séquence. Car leurs paupières étaient si lourdes qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Donc ils luttaient, ils somnolaient et puis paf, après ils sont partis. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Finalement, il rejoignit ses disciples et leur dit, « Vous dormez encore ?» La troisième fois. Le moment est venu où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Il a insisté. Est-ce que vous pensez vraiment que Jésus avait forcément besoin de leur intercession? À votre avis? La preuve, ils n'ont pas pu intercéder, mais Jésus allait à la croix. Il allait jusqu'au bout parce que lui, il a prié en fait. Parce qu'il a appelé à manifestation le règne absolu de Dieu en cette circonstance. On verra maintenant justement l'implication que ça a eu plutôt sur ceux qui ont dormi au lieu de prier. Ce temps donc de prière était incontournable pour remporter la bataille de la pression que subiraient Pierre et les disciples. Mais ils ont malheureusement dormi malgré toutes les interpellations du Seigneur Jésus. En cette saison-là, le révérend ne fait qu'insister, on doit prier. Chacun doit se lever dans la prière. Mais il y en a qui vont se dire, oh, tout ça c'est pour les pastos, c'est pour les femmes des pasteurs, c'est pour les responsables. Il y a certains responsables aussi qui vont dire, non, ça c'est pour les pasteurs, nous on est juste responsables. Non.
Quand l'alerte est donnée comme ça, ça veut dire que Dieu est en train de vouloir travailler et il veut que certaines choses arrivent à manifestation par la pression de la prière que nous allons faire tous ensemble. Écoutez ce qui se passe. Ils ont dormi et malheureusement, eux-mêmes, ils ont eu des surprises inimaginables par la suite. Je vais prendre le cas de notre cher et tendre Pierre. Matthieu 26, versets 33 à 35. 33 à 35. Pierre intervint et lui dit, à part, même si tous les autres, quand Jésus a dit qu'il allait aller à la croix, qu'il mourrait, qu'il reviendrait, trois jours après, il a dit, non Seigneur, attends. Même si tous les autres étaient ébranlés et succombaient à cause de ce qui t'arrivera, moi, jamais de la vie. Jésus reprit, vraiment je te l'assure, cette nuit même, avant le chant du coq, tu m'auras déjà renié trois fois. Quelqu'un même à qui on a annoncé ça. Normalement c'est celui-là même qui ne devait même pas dormir. Parce qu'on lui a déjà dit, parce que Jésus c'est pas quelqu'un qui plaisante en fait, pour dire que tu es en train de parler là. Tu ne sais même pas ce qui t'attend. Donc au moins Dieu t'a prévenu, tu devais même être celui qui devait prier pour dire, ah on nous annonce qu'il y a des choses. Comment Jésus peut dire que moi je vais le régner, alors comment je sais que jamais mon cher, autant je prie. C'est même là qu'il a dormi, tellement il avait confiance en sa capacité de résister. Voilà. Peu après, Matthieu 26, verset 69 donc à 75, le grand Pierre se retrouve face et confronté à lui-même ses propres déclarations. Pendant ce temps, Pierre restait assis dehors, dans une cour intérieure. Une jeune servante s'approcha de lui, une jeune servante, donc peut-être une jeune petite fille de je ne sais pas quel âge, devant le grand Pierre, et dit, toi aussi, tu étais toujours avec Jésus le Galiléen. Mais Pierre le niait, protesta devant tout le monde, je ne vois pas ce que tu veux dire. Comme il se disposait à franchir le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut. Mais les servantes, elles observent beaucoup, hein. Elles voient tout ce qui se passe dans partout où elles sont. Et elle dit aux gens qui étaient là, en voilà un qui était aussi avec ce Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau en prétestant avec serment, je ne connais même pas cet homme. Trois fois il a dormi, n'est-ce pas? Il a été interpellé, trois fois il a dormi. Voilà les trois fois ici aussi. Du retour justement de l'assoupissement des paupières lourdes. Voici le résultat, trois fois de suite. Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchaient de Pierre et lui dit, à coup sûr, toi aussi tu fais partie de cette bande. On le remarque bien, on le remarque rien qu'à ton accent. Alors Pierre s'emportant, ça dit, mais attends, vous me voulez quoi à la fin? Et se mit à lancer des imprécations, que Dieu me maudit si je mens. Je vous jure que je ne connais pas cet homme-là. Mais au même moment, un coq chanta. Ha! Verset 75, s'il te plaît. Et tout à coup, Pierre se rappela la prédiction de Jésus, que Jésus lui avait faite. Avant le chant du coq, tu m'auras déjà renié trois fois. Alors il sortit en pleurant, comment? Amèrement. Il ne pouvait pas imaginer que lui, Pierre, pouvait se retrouver là. C'est ça que le manque de prière peut créer dans la vie de quelqu'un. Quand tu ne pries pas, tu peux être tellement surpris des réactions, des attitudes que tu peux avoir, que toi-même tu n'en reviendras même pas. Pourquoi? Parce que tu as laissé la chair prendre toute la place. Mais quand tu es un homme de prière, tu imposes le règne de Dieu à tout ton être entier. Tu imposes les instructions de Dieu, tu imposes la pensée de Dieu, tu imposes la volonté de Dieu justement à ton être et à ton fonctionnement dans tout ce que tu entreprends. Amen. Donc si on n'a pas envie d'avoir des surprises, c'est le moment de se lever dans la prière. Je vous donne juste quelques raisons pour que nous puissions justement prier. Pourquoi la prière est importante? Deuxième point, c'est que la prière nous emmène à manifester tous les projets divins. Puisque ça emmène à manifestation les plans de Dieu, le pouvoir absolu de Dieu pour faire quoi? Pour manifester sa volonté. Donc la chose la plus importante que nous devons retenir, c'est que deuxièmement, la prière nous emmène à manifester tous les projets de Dieu. Tu as des projets. Dieu a des projets pour toi aussi. Et c'est ceux-là que tu dois rechercher. Et c'est ceux-là qui devront se manifester. Or, les projets de Dieu sont meilleurs que ceux que tu peux avoir pour toi-même. Parce que Dieu va toujours au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Il a dit dans Jérémie 29, versets 11 à 12, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà le Dieu qu'on a. Voilà pourquoi il veut que nous puissions appeler à manifestation sa volonté et son règne absolu. Garde-moi ça, s'il te plaît. Remets ça, s'il te plaît. C'est pour que chacun d'entre nous, justement, puisse avoir et voir venir à manifestation ces projets qui vont nous donner un avenir et de l'espérance. Là où les gens ont dit qu'on n'avait pas d'avenir, que Dieu vienne nous donner un avenir. Que nos prières emmènent à manifestation cet avenir que Dieu a pour nous. Et montrer à tout le monde qu'ils avaient misé sur nous, ils avaient dit des choses sur nous, ils avaient espéré des choses contre nous, mais Dieu avait un autre plan pour nous. Souvent, nous-mêmes, la vie nous emmène à nous dévaloriser. La vie nous emmène à perdre confiance au plan de...
à l'avenir même que nous avons pu rêver avoir sans Christ. Mais quand nous rencontrons le Seigneur, il remet les pendules à l'heure. Quand nous rencontrons le Seigneur, il travaille dans nos vies pour que nous puissions atteindre ses objectifs. Si tu veux que tes projets arrivent à manifestation, sois un homme, sois une femme de prière. Tu ne vas pas dormir et attendre que les choses se passent. Impossible. Tu as ta responsabilité à prendre et c'est dans la prière que tu vas manifester ta responsabilité. Amen. Amen. Il dit dans Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes quoi? Son ouvrage. Dans cette version-là, j'aime bien. Ce que nous sommes, nous le devons à qui? À Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Est-ce que Dieu peut préparer des mauvaises actions? Jamais. Merci. Voilà donc la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Amen. Et si nous voulons marcher dans les plans de Dieu, quand nous les connaissons, nous devons prier. Et oui, c'est le levier de la prière et pam, et on accélère et on avance et on monte avec lui. Yes. Troisième point, le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. J'ai beaucoup aimé le message du révérend Allah. Mercredi dernier, la séquence même justement de l'amour de Dieu. Si Dieu nous a manifesté son amour, c'est pour que chacun d'entre nous, nous puissions démontrer et faire voir à tous ceux qui nous entourent qu'il y a quelqu'un qui peut nous aimer au-delà de ce qu'on peut penser. Et cet amour est encore disponible. Le cœur de Dieu, comme je disais, c'est le salut des âmes, la réconciliation de Dieu avec les hommes. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. 1 Timothée 2, verset 1 à 4. Voici à présent quelques recommandations. Je demande en tout premier lieu que l'on prie, que ce soit des prières d'adoration, des requêtes ou des remerciements, qu'on intercède quoi? Tous pour les hommes. Qu'on intercède pour tous les hommes, pas pour une catégorie d'hommes, mais pour tous les hommes. Amen. Je crois qu'on doit continuer jusqu'au verset 4. Sans oublier les chefs politiques, tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime notre foi en Dieu, étant libre de le servir conformément à sa volonté en toute dignité et honorabilité. Une telle prière est bonne et utile au salut des autres. Amen. Elle plaît à Dieu notre Sauveur. Verset 4, car il veut quoi? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la parfaite connaissance de la vérité. Que les hommes sortent de tous les mensonges du diable et qu'ils entrent pleinement dans la vérité qui les concerne, dans la vérité de Dieu, dans la vérité du royaume et dans la vraie spiritualité. Amen. Le prix d'une âme, c'est la vie de Jésus. Ça compte trop aux yeux de Dieu. Et si nous sommes sauvés, si nous sommes des hommes de prière, Dieu va mettre en nous le battement de son cœur, qui est le cœur de vouloir que tous les hommes soient sauvés. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20, il est dit, tout cela, du début à la fin, c'est l'œuvre, est l'œuvre de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ et il nous a confié le ministère de la réconciliation. C'est le ministère que nous avons tous. Pasteur jusqu'au plus petit, né de nouveau, c'est notre ministère. En effet, Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message donc de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres, pas un message de condamnation, pas un message de jugement, mais un message d'espoir. Et nous a chargé de proclamer publiquement. Amen. Yes. Puisque nous avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeur du Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous les supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Amen. Nous devons payer donc le prix conséquent dans la prière et l'évangélisation pour le salut des âmes, de nos parents, de nos collègues, de nos amis. Tu ne peux pas avoir des amis que tu côtoies pendant des années. Tu ne peux même pas leur parler de Jésus. Tu les laisses. Tu sais très bien qu'ils vont aller en enfer. Mais tu préfères les garder comme amis, même s'ils vont en enfer, parce que tu veux profiter de cette relation sur la terre. Non. À un moment donné, il faut être vrai. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui montres. Quand tu as découvert un trésor, tu montres le trésor aux autres. Quand tu aimes, en tout cas ceux à qui tu aimes, tu vas leur montrer ça pour dire, hey, je viens de faire une découverte. C'est ça. Donc on ne peut pas être né de nouveau et nos vies n'apportent rien au royaume. On ne peut pas être né de nouveau et personne n'est converti. Au contraire, les gens renoncent, s'éloignent de Dieu, plus ils nous rencontrent. C'est dramatique. Et c'est la prière qui va nous permettre de recentrer les choses et de mettre justement l'évangélisation et le salut des âmes au centre de nos priorités. Et que partout où nous allions, nous puissions répandre le parfum et l'odeur de Christ pour que plusieurs soient gagnés et plusieurs soient sauvés. Amen. Le quatrième point, c'est que la prière nous permet de tenir ferme
Et dans cette fin des temps, c'est la prière qui va nous permettre de tenir ferme contre la pression du monde. Jésus a dit, je reviendrai sur la terre. Est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Il y a combien d'églises aujourd'hui? Il y a combien de personnes qui se prétendent être des enfants de Dieu? Mais il dit, qu'est-ce que quand il reviendra, il trouvera la foi? Ceux qui vont rester, le faible peu, là, le faible reste justement qui va garder la foi, c'est ceux-là qui seront restés enflammés par la prière, qui vont se tenir sur la brèche et qui vont pouvoir résister à toute la pression du monde. Aujourd'hui, vous regardez dans l'église, le monde est entré à l'église comme pas possible. Les gens sont remplis de mondanité. On puise tout ce qu'il y a dans le monde. Hier, j'étais estomaquée. J'ai vu une image, je dis non, c'est pas possible. Quelqu'un peut pas être un enfant de Dieu et s'habiller comme ça. C'est pas vrai en fait. On accepte tout. Tellement les gens se disent, on est dans l'église, on nous parle de Jésus, on nous parle de Dieu. La parole de Dieu est là, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On est, tous nos yeux sont sur le monde. En train de traquer, chercher à savoir c'est quoi. Et on est, parce que là où tu regardes trop là, tu finis par ça déteint sur toi. Aujourd'hui, on regarde même à l'église. La mondanité s'est installée, la pression du monde a donné aux gens de bâcler toutes leurs convictions et ne même pas pouvoir se tenir justement sur toutes les vertus du royaume. Pourquoi? Parce que les gens ne prient pas. Si tu pries, tu retrouves les choses, tu retrouves le sens. Le Saint-Esprit t'interpelle, te dit attention, là tu es en train de déraper, reviens dans la bonne mesure. C'est ça le rôle de la prière. Amen. Nous allons prier ce matin. Et vraiment que Dieu nous aide à pouvoir justement garder nos valeurs, garder la prière comme un feu qui est toujours allumé à l'intérieur de nous, pour que nous ne puissions pas nous éteindre et que nous ne soyons pas surpris au dernier jour, ou surpris même par le réveil que nos vies peuvent prendre comme Pierre et commencer à renier le Seigneur. Quand on dit qu'à la fin des temps, il y en a qui vont renier le Seigneur, on pense que c'est juste, non, moi je ne peux pas renier le Seigneur. Si tu ne pries pas, quand les choses vont se compliquer dans ce monde-là, tu vas renier le Seigneur. Et c'est toi-même qui vas partir demander qu'on te mette même toutes sortes de choses qui symbolisent la marque de la bête. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen.